Bonjour la communauté de Battlefront et bienvenue sur Battlefront.fr. Nous avons un nouveau skin pour l'Halloween, d'après ce qu'on peut présumer. Donc dans Star Wars Battlefront, le skin cybernétique female est finalement disponible pour tous gratuitement. Vous n'avez qu'à vous connecter sur Star Wars Battlefront. Le skin est présent pour tous. Vous n'avez même pas besoin de le débloquer avec des crédits, il est déjà là. Donc essayez-le, il est quand même bien. C'est finalement le skin de Lobot qu'on a. Et bon, ça fait plaisir d'avoir un nouveau skin. Est-ce que c'était prévu pour l'Halloween? Aucune idée. Est-ce que c'est un glitch? Je pense pas, parce que le skin est pas mal bien. Il est fini, comme vous pouvez voir. Mais EA ne l'a pas annoncé officiellement. C'est juste que le skin est disponible. Et voilà, quoi. Donc, allez le tester. C'est quand même bien le casque qu'il a. On peut voir les lumières qui allument sur le côté, donc il est un peu interactif, ce qui est pas méchant. Bref, il est là, vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez. Ça leur a été cool qu'ils fassent une mission communautaire, mais bon, ils en font plus depuis un certain moment déjà, hein. Je sais pas si vous vous souvenez de ce genre d'événement, mais les missions communautaires, pardon, étaient quand même bien appréciées de la communauté, donc essayons de les ramener. J'ai déjà demandé à EA de le faire, donc on verra ce qu'ils vont répondre. Merci d'avoir écouté cette vidéo. La suite maintenant, c'est justement l'Halloween, donc on va passer à un petit spécial juste pour vous. On va aller dans un mode de jeu dans Star Wars Battlefront 2. Donc c'est parti! Bonjour la communauté de Battlefront et re-bienvenue sur Battlefront.fr. Aujourd'hui, un petit spécial Halloween juste pour vous. On est sur Star Wars Battlefront 2, ça fait extrêmement longtemps. En tout cas, je m'en souviens même pas la dernière fois que j'ai fait un gameplay commenté, mais sur Battlefront 2. Ça peut être récent, mais d'après moi, non. Donc voilà, on est sur un mode Halloween Zombie. Vous allez voir, c'est assez spécial. Je sais pas du tout qu'est-ce que c'est. J'ai juste vu qu'il y avait un mode sur Internet. J'ai cherché Halloween, mods pour Battlefront 2, et je suis tombé sur ça. J'ai même pas regardé. Je l'ai pris, donc on va voir si c'est assez intense. D'après moi, ça sera pas épeurant parce que c'est vieux, mais quand même, ça peut être assez badass, donc on verra ça. Là, le but, défendre le scientifique... What the fuck is that? Oh shit, non, moi je retourne à l'intérieur, fuck that. Je sais pas à quoi m'attendre, sérieusement, est-ce que ça va être intense, est-ce que ça va être plate à regarder? Aucune idée, donc on verra. Bref, jouez Halloween à vous tous, vous me direz dans les commentaires parmi vous... Qui sont ceux qui vont se déguiser? Est-ce que vous allez vous déguiser en Star Wars? Un personnage de Star Wars? Vous me direz ça dans les commentaires. Ça m'intéresse pas mal parce que j'aime beaucoup les déguisements aussi. Il y a 4 ans, j'avais fait le Chapelier dans Alice au Pays des Merveilles. Il y a 2 ans, j'ai fait Slenderman. Et je pense que l'année prochaine, je vais faire un costume à la Star Wars. Je sais pas encore quoi, mais ça pourrait être cool. Bon, c'est pas qu'il se passe rien en ce moment, mais... Oh, ok! La prochaine fois, je vais rien dire, puis on va... on va souhaiter que... qu'il n'y ait pas d'autres zombies. Je sais pas pourquoi, il y en a pas beaucoup en ce moment. Est-ce que c'est normal? Peut-être que... Oh, ok. Non, non, what the fuck? C'est quoi ces merdes-là? C'est comme dans la série Clone Wars, quand ils sont... les clones sont des zombies, quoi. Ah, puis ils courent en plus! Ah, les bâtards! Un autre ici. Un autre? Mais non, il y en a plus qu'un. Ok, non, là, ça commence à être intense. Ok, ouais, la mine a été très bien posée. Ouah, non, attendez. C'est quoi? Ouah, mais ils sont beaucoup, là. Ah, il y a des tourelles derrière moi. Au moins, ça, ça m'aide. Je pense pas, théoriquement, qu'on peut perdre dans ce mode. Dans Battlefront 2. Wow, un pilote, c'est Luke. Luke en zombie, guys. Et merde. Donc ouais, on peut voir que certains peuvent être one shot, d'autres non, et les pilotes, waouh, ils sont assez résistants, j'imagine pas, j'espère qu'il va pas y en avoir 4-5 en même temps parce que je suis mort. Hein. Là c'est intense, oh, ils sautent les bandes d'enculés. Non, le scientifique, retourne dans ta pièce, hein, s'il vous plaît, retourne dans ta pièce parce que là, je veux pas que tu te fasses transformer en zombie, sinon on a perdu. Hein. C'est ça le but de ce mode, d'après j'ai compris. Parlant de mode de jeu, ah oui, je veux vous annoncer une vidéo qui arrive très bientôt. Je vais, mais comme vous savez, il y a plusieurs let's play de jeux rétro de Star Wars.
qui arrive très bientôt, après le DLC Rogue One environ, quoi, on va se dire ça. Donc, Wow, c'est intense! Ouais, bon, voilà. Ah merde, un autre pilote. Je vous avais donné la liste des jeux rétro de Star Wars qu'on allait faire comme Let's Play, et c'est Empire at War qui a gagné la première place, donc on va commencer avec ça. Mais j'avais pas mis Battlefront 2 dans la playlist, parce que bon, c'est quand même considéré comme un jeu rétro de Star Wars, même si bon, beaucoup encore de vous, d'entre vous y jouent sûrement de temps en temps, comme moi par exemple. Ça fait toujours bien plaisir de retourner sur ce jeu, et les clones là, ils font assez peur finalement, surtout quand ils sont à 1 cm de ta face, c'est pas plaisant. Donc pour Battlefront 2, j'ai aussi un projet pour cela. Il y a une vidéo qui arrive très bientôt dans laquelle je vais vous parler de mes meilleurs mods qui sont sur, qui sont disponibles sur ce jeu. Vous allez voir en tant que tel, vous me direz dans les commentaires quels sont vos mods favoris faits par la communauté en tant que tel. Dans Star Wars Battlefront 2, vous me direz ça. Ça m'intéresserait de voir vos propres suggestions qu'on pourrait aussi peut-être tester un jour. Bref, c'est une assez grande vidéo que vous allez voir. Je sais pas encore à quoi ça va ressembler, mais plusieurs mods vous seront montrés, les meilleurs surtout dernièrement là. Il y en a des bons. Bref. Les foutus zombies là, ils sont... Finalement là, c'est pas si pire. Le mod, c'est le fun. Mais après un petit moment, ça devient relou. Là, on va les attendre dans la pièce parce que... Oh, mon Twitter. Oh shit, il m'a fait peur lui, hein. Finalement, au moins, on aura eu un petit sursaut. MDR, le garde s'est fait one shot, donc j'ai compris, faut pas se faire toucher du tout. J'ai reculé parce que je veux essayer... Mais non, mais scientifique, qu'est-ce qu'il faut, recule. Oh, ok. Non, bah, mais quel con, mais quel... Mais il est en retour, hein, il est stupide. Wow, regardez-moi le nombre. Bah ouais, on a perdu de toute façon, parce que le scientifique, c'est un idiot. C'est pas pire, j'aime bien le mod, j'espère que vous aussi. Encore une fois, joyeux Halloween à chacun d'entre vous. J'espère que ce petit mini-gameplay vous a plu, hein, quand même, c'était assez drôle. Et la vidéo sur les mods de Battlefront 2 arrive très bientôt, donc prenez soin de vous tout le monde, et comme toujours, que la force soit avec vous. Ciao tout le monde.